Mais tu rentres dans la vie des gens quand ils sont plus là. Où tout est resté intact, si tu veux. Ça, c'est vraiment ça. Effacer les traces de leur existence. Tout est parti. Leur courrier, leur carte postale, leur machin, leur photoalbum. Tout est parti. Il n'y a plus. Il y a des objets qui sont partis dans les quatre coins du monde. L'effaceur est passé. Sur ma chaîne. Pour toutes les questions montées. Après. Je ne sais pas continuer à être encombré tout le temps et avoir tout ça dans mes pieds. Ça me rend dépressif. Quand je vois tout ce travail qu'il y a là. Oh putain, c'est lourd! La première chose que j'ai vendue, c'était une petite voiture Matchbox que j'avais ramassée sur la poubelle et j'ai vendu 20 francs à l'époque. Ça, c'était ma première vente sur le marché. Et quand j'ai commencé à pied en faisant la poubelle avec deux valises. Et puis j'ai commencé à faire un peu de transport pour les antiquaires, à vider les maisons pour eux. Et puis après, j'ai commencé à acheter les contenus des maisons moi-même. Des objets qui prennent la mémoire de ce qui a vécu ici. Je pense, peut-être que je suis tout à fait à côté de la plaque, mais... Ça me touche plus. Je suis devenu insensible. Maintenant, ce n'est que du boulot. Mais ici, dans la façon dont moi je fais le métier maintenant, ça n'a plus rien de, comment dire, de spécialement excitant. Parce que ce n'est qu'en vrai ce que personne ne veut, aller au versage avec... Ben écoute, je suis coincé, je vais dans des maisons où il y a de la bonne marchandise et tout ça. Mais ici, c'est la salle de vente qui les a pris. La petite table de nuit, dans le temps, c'était une petite table de nuit de 7-8 000 francs. Et maintenant, ils vont peut-être adjuger ça 20 euros, 25 euros, au lieu de 175, 200. Mais, d'une façon, moi, je ne sais plus faire. Parce que j'ai laissé disparaître mon capital. Non, je n'ai pas de regret. Il ne faut rien regretter.
Pas du tout. Et je vis encore bien, bon. Parce que j'ai toujours su conserver ma liberté, c'est le plus important. Kilometer 35. Ja. De diepte dat is 25. Ja, geef mij vier. Ik heb dat niet gepikt. Hè. Ik doe een inspanning, jij doet een inspanning. We komen overeen. Dat is in de politiek ook zo. Als het zo deel, dan was het goed. Zal nog eens. Oké, dan. Salom. C'est bon. Je le fais de un parce que j'ai besoin de rentrer de l'argent. Et aujourd'hui, j'ai pas trop bien travaillé. Mais si je vends mes deux bureaux et encore une petite table et un autre machin et un truc. Je fais une belle journée, quoi. Mais ça, tu sais jamais d'avance. La brocante, je continuerai le temps de liquider le stock, quoi. Mais je ne continuerai pas à me crever, à vider des baraques. Ça, non. Ça, j'en ai marre. J'ai dû en vider entre 1300 et 1400 dans ma carrière, ça suffit, quoi. La seule consolation que j'ai, c'est que je vais me chauffer avec. Je préfère un jour voir ma grange vide. Ben, j'ai vidé assez de maisons pour savoir comment il faut s'y prendre. Mais quand c'est chez soi, c'est plus difficile.